le numérique en lui-même est très intéressant et les armées doivent absolument rester connectées avec ce qui se fait aujourd'hui dans le monde civil, à la fois en termes de recherche et à la fois en termes de pratique. Alors les armées sont très présentes dans la région, donc il était normal qu'on se rapproche du cluster qui est le leader dans la région du numérique. On va pouvoir développer des actions avec bien évidemment avec des sociétés, voir ce que ces sociétés peuvent nous apporter et les aider également à conquérir les marchés de la défense, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec nous. C'est-à-dire qu'à travers Made in Soft, vous souhaitez éventuellement connecter avec des entreprises qui pourraient vous apporter quelque Oui, chose? on va les connecter avec toutes les organisations de transformation numérique des armées, et puis également tout ce qui concerne la cyber, qui est quand même un domaine qui est en pleine montée en puissance et qui est extrêmement sensible, surtout pour tout ce qui est affaire de souveraineté. Alors justement, dans votre actualité, il y a un point particulier, justement lié à l'innovation. C'est le 21 mai prochain, vous organisez la première des conférences que vous avez appelées des conférences du gouverneur. Et cette première est dédiée justement à l'innovation dans les armées. Alors on ne va pas dévoiler ce qui va être raconté pendant cette conférence, mais grosso modo, on va entendre quoi? Alors, on va entendre l'axe très fort qui est donné au ministère en termes d'innovation. C'est un des quatre axes de la loi de programmation militaire qui a été donné par la ministre et le président de la République. Donc, on est lancé sur l'innovation. L'innovation pour nous, c'est deux enjeux extrêmement forts. Un, c'est rester connecté aux technologies du futur et conserver la supériorité opérationnelle. Donc c'est très important pour nous l'innovation. Et cette première conférence sera pour objet de montrer comment nous sommes organisés et tous les moyens qu'on met derrière. Alors, c'est le 21 mai. C'est le 21 mai au Fort Gantôme, en messe de garnison. Et donc c'est un général de l'état-major des armées, le général Hirtzik, qui viendra parler de ce qui est fait aujourd'hui au ministère des Armées sur l'innovation. Alors, l'innovation dans toutes ses composantes, bien Dans sûr, tous hein. les domaines. Donc c'est l'innovation d'usage, c'est l'innovation dans les équipements. L'innovation touche à tous les domaines et également quels sont les fonds que nous avons mis à disposition des PME pour les aider en termes d'innovation.